Bonjour et bienvenue sur la chaîne Guyanaka, la chaîne d'info locale. Aujourd'hui, nous sommes autour d'Alençon, chez Madame Lomaillet, qui va nous dire un petit peu, tout simplement, ce qu'elle fait. Bonjour Madame Lomaillet, comment allez-vous ? Bonjour, enchantée, très bien. Très bien, donc voilà. Alors dites-moi un petit peu ce que vous faites. Voilà, donc moi je suis passionnée depuis 20 ans de brocante, d'antiquité, l'amour des beaux objets. Et j'ai choisi aujourd'hui de professionnaliser ma passion en mettant en place un site, donc devenir e-brocanteuse. E-brocanteuse, voilà. Mais cette passion, elle dure depuis quand ? Cette passion, elle dure depuis une vingtaine d'années. Déjà ? Oui. Voilà, donc ça fait une vingtaine d'années que j'arpente la France et différents villages et que je vais un peu à la chasse aux beaux objets. Et aujourd'hui, vous avez quelques articles à vendre, donc vous avez fait faire un site internet. Un site Donc il s'appelle comment alors ? Un site nouvellement créé où vous allez pouvoir trouver tour à tour donc des objets chaque mois, de nouveaux objets, qui s'appelle http://galerie-antiquité.fr. D'accord. Voilà. Et on trouve combien d'articles aujourd'hui ? C'est un site qui est tout nouveau. Donc actuellement, il y a une dizaine d'objets qui va continuer à évoluer tour à tour. Donc chaque mois, on aura de nouveaux objets. On peut dire quelques objets qui sont... 3 à 4 objets nouveaux par mois. Oui. Et quel genre d'objets on peut trouver sur le site actuellement ? On va trouver des lampes, des miroirs, des vases... Les meubles un petit peu plus tard, voilà, tout objet en fait qui peut donner du caractère à un intérieur, qui permet de personnaliser un intérieur, des cadres anciens, en précisant que tous ces objets-là sont des objets d'époque ou de style, voilà, avec une vraie identité bien marquée. Bien marquée, signée, voilà, de beaux objets. Bien, ben merci Madame Lomaillet. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous invite, je vous mettrai en incrustation le site de Madame Lomaillet que je vous invite bien sûr toutes et tous à aller voir. Au revoir Madame Lomaillet. Au revoir Monsieur Bouillon.